Bonsoir, chers confrères, et merci d'avoir patiemment attendu jusqu'à 7 heure pour la liste de l'équipe nationale du Cameroun qui va aller au Qatar pour la Coupe du Monde qui débute le 18 novembre prochain. Au terme de ce match, cet avant-dernier stage du Cameroun, le manager sélectionneur et tout son staff, avec l'aval du président du comité exécutif de la FECAFOOT, ont décidé justement, avant de partir pour le dernier stage, de livrer en exclusivité ici, pour que vous fassiez l'écho de cette liste, justement le choix des 26. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un point de presse, il n'y aura pas de questions adressées au coach, il va juste communiquer la liste des 26. Et rendez-vous pour le dernier stage à Abu Dhabi et pour le Qatar. Sur ce, je vous prie donc d'écouter attentivement le manager sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, M. Rigobert Sombana. Merci de m'avoir passé la parole. Je tiens moi aussi à m'excuser pour le retard parce que ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et je souhaiterais, comme mes confrères l'ont dit tout à l'heure, que nous restons très vigilants et que cette liste de 26 joueurs qui partiront pour la Coupe du Monde, il faudrait qu'on vous le partage pour que vous soyez en direct de ça. Vous avez d'ailleurs vu aujourd'hui les joueurs locaux aussi qui sont à féliciter parce que ce n'était pas évident. Je pense qu'il y a beaucoup qui pouvaient avoir des doutes en pensant qu'ils n'arriveraient pas. Mais nous sommes dans la continuité de ce que nous voulons faire, donner espoir à la jeunesse camerounaise aujourd'hui qui a choisi de faire ce métier. Et ce qui me concerne en tant que sélectionneur, manager, je félicite énormément ces joueurs qui ont démontré aujourd'hui qu'ils méritaient d'être là. Mais en même temps, je dis, nous avons des règles aussi et des réalités qui font en sorte que on ne peut pas aller à 40 joueurs. Donc, je vais vous livrer tout de suite la liste des 26 qui ont été retenus pour la Coupe du Monde. Merci. Je crois que beaucoup de gens ils sont attentifs, hein. Hein, c'est attendu comme ça? Ok, allez. Ben écoutez, mes collaborateurs et moi, dans le staff, avons parcouru tous les points, essayé de voir lesquels correspondaient à ce que nous recherchons. Et nous avons estimé que au niveau des gardiens de but, il y a Onana, excusez-moi, Ngabi Poundoukou Simon. Bon, prenez le nom de Simon, parce que c'est plus simple. Et il y a Epassi. En défense, nous sommes partis avec Faye, Olivier Bazo, ou Christophe, Nicolas Koulou, Momi Tolo, c'est Noulou Tolo, ouais. C'est bon, Noulou Tolo, c'est bon. Noulou Tolo, ouais. Castelletto, Ebossé. En milieu de terrain, on a Ongla, Koundé Malon, Cham, Zambouanguissa,
Gaël Ondoa. En attaque, Aboubakar Vincent, Samé, Choupo-Moting, Mbemo, Gamale, Toko, Bassogok, Koudou, Swadibou. Soyez-vous. Ok, merci, merci. Il y a Ngom. Jérôme Ngombekeri. Il a joué tout à l'heure parmi. D'accord. Voilà. Et. Bon, je crois que c'est le 26, hein. Je ne sais pas si... Hein? Ben, je reprends pour qu'on se comprenne très bien. Ok. Gardien de but, il y a Simon. Il y a Onana. Il y a Epassi. Il y a Faye. Il y a Baizo. Il y a Ou. Il y a Nicolas Nkoulou. Il y a Tolo, Castellito et Bossé. Milieu terrain, Oum, Onla, Koundé Malon, Cham, Zambo, Ondoa, Gaël. En attaque, Aboubakar Vincent, Samé, Choupo-Moting, Mbemo, Ngamale, Ngom, Toko, Bassogok, Koudou, Swaibou. D'accord. Ok, ben écoutez, c'est... La liste des 26 joueurs qui vont défendre les couleurs du Cameroun au Qatar. Merci. Voilà donc la liste des 26. Vous pourrez vous-même faire les analyses. 24 joueurs expatriés, 2 joueurs locaux pour cette liste. Et vous remarquerez que sur les 26 qui étaient en Corée du Sud, 22 restent dans la liste. Comme le coach l'a dit, c'est dans la continuité. Les joueurs locaux, on va donc finalement conclure que c'est un stage qui comptait, pas pour du beurre, mais qui comptait réellement. On vous remercie d'avoir attendu aussi nombreux à cette heure. La prochaine étape, c'est le début du dernier stage à partir de lundi prochain à Abu Dhabi. Et le 18 novembre, les Lions indomptables du Cameroun vont affronter la sélection du Panama pour le dernier match qui va nous amener directement sur Doha pour la Coupe du Monde. On rappelle juste les affiches. Cameroun-Suisse, c'est le 24 novembre. Serbie-Cameroun, 28 novembre. Et le 2 décembre, Cameroun-Brésil. On vous remercie d'avoir été nombreux. Et bonne chance à tout le monde. Bonne chance au Lion. Bonne chance également au Lion du micro et de la plume.